La guerre est une ruse est un livre qui fait partie d'un triptyque. Chaque livre étant de lecture autonome, évidemment. L'histoire des personnages fictifs se terminant à la fin de chaque opus. Mais La guerre est une ruse prend naissance au début des années 90 en Algérie, où les islamistes sont peut-être en passe de prendre le pouvoir. Ils viennent de gagner les élections municipales et au premier tour des élections législatives, ils sont à la première place. Les généraux au pouvoir en Algérie mettent un terme au processus électoral, ce qui va pousser les islamistes du FIS à créer ce qu'on a appelé les GIA, des maquis terroristes, islamistes donc, qui vont prendre les armes contre l'armée. Va s'en suivre une dizaine d'années qu'on va qualifier de décennie noire, une guerre civile qui va faire presque 200 000 morts, selon certains chiffres, au moins plus de 100 000 morts. Et alors les exécutions sommaires, les attentats vont se succéder pendant ces 10 années. Mes personnages fictifs s'insèrent dans cette grande histoire, si on peut dire, cette vraie histoire avec un grand H, et vont mener leur propre vie. Tedj Ben Lazar est un agent de la DGSE, en poste de la DGSE, donc des services de renseignement extérieur français, et il est en poste à Alger. Et il va comprendre que les généraux, que certains membres de l'armée commencent à manipuler les réseaux terroristes du GIA. Il va essayer d'alerter ses chefs, le gouvernement français aussi, mais lorsqu'il n'est pas de meilleur aveugle que celui qui ne veut pas voir, et sans doute que le gouvernement français n'a pas voulu voir qu'il soutenait une junte militaire qui avait des pratiques peu démocratiques d'abord, et sans doute criminelles, puisque soutenir des terroristes, c'est un crime, si on peut dire. Et surtout, le chaos algérien va finir par passer la Méditerranée, et on se souvient tous des attentats de Paris menés par Khaled Kelkal, un jeune Français d'origine algérienne, qui va poser des bombes à Paris, particulièrement dans le métro Saint-Michel, au centre de Paris, qui va faire une dizaine de morts, 200 blessés. Voilà. Ce livre donc prend corps dans une œuvre plus ambitieuse, si on peut dire, que j'essaye de mener, qui serait peut-être, d'une certaine manière, répondre à la question comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé aux attentats du 13 novembre 2015, mais aussi de Charlie Hebdo et de l'hypermarché Cacher, porte de Vincennes. Comment on se retrouve dans un état d'urgence permanent? Comment, souvent, à la une des journaux, on s'aperçoit qu'il y a eu un attentat et que, même si ça nous attriste et ça nous bouleverse, ça nous étonne pas plus que ça, finalement. Voilà. Sous couvert de romans, j'ose espérer que ce livre fera œuvre de mémoire aussi. Ne pas oublier d'où viennent ces jeunes gens qui se font exploser dans une salle de concert ou qui tirent à la Kalachnikov dans une rédaction d'un journal parisien. Voilà. Je pense que l'histoire a des vertus explicatives du présent. C'est pour ça que j'écris du roman noir aussi. Le roman noir a aussi cette force d'être engagé, d'être explicatif. La guerre est une ruse, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire lorsque j'ai commencé à l'écrire.